Bon après-midi, bonne nuit ou bonjour. Selon le moment où vous me voyez, de vous le faites. Bienvenue à ma 63e vidéo. Je suis l'avocate Nathalie Gonzalez, médiatrice créative de Objetivos Cero Victimas. On commence. Dans cette vidéo, je reçois tous vos doutes sur la médiation. Je le divise en deux parts. La première, je veux que vous regardiez la photo et que vous me laissiez dans les commentaires qu'elle vous transmet. Dans les commentaires d'Instagram, vous m'avez laissé ce qui suit. Calme de personne, P4, tranquillité 3, relax 1, bonheur 1, froid 1, sérénité 1, une autre personne. Là où la mer rencontre le ciel ou le ciel tombe amoureux et le soleil est chaud, c'est là que je veux être. Pour la plupart, l'image a transmis la paix, la tranquillité et le calme. En tant qu'avocate et médiatrice, je vous garantis cette tranquillité, cette paix. La deuxième partie, je reçois toutes vos doutes. Quel cours et spécialité en médiation recommandez-vous? Je vous recommande de jeter un œil à toutes les spécialités et de choisir celle que vous aimez le plus. Dans quel domaine est-il préférable de s'engager dans la médiation? Celui que vous aimez le plus. Moi, je suis actuellement médiatrice avec les spécialisations civiles et commerciales et j'aime aussi la médiation familiale. Quelles sont les parties à la médiation? Les gens qui viennent résoudre leurs conflits. La médiation peut être utilisée pour la liquidation des biens? Oui, bien sûr, à l'exemple très rapide. De l'eau de valeur identique, les parties en médiation peuvent expliquer toutes leurs raisons de vouloir l'un sur l'autre. Lors d'un procès, le juge n'écoute pas ses motifs, il est prévu et c'est tout. Il y a-t-il des sujets spécifiques? Non, les parties peuvent parler de ce qu'elles veulent. Quelle est la durée des sessions des séances de médiation? Normalement, chaque session dure d'une heure à une heure et demie. Ils doivent être aussi peu nombreux que possible. Les sessions doivent-elles toujours être face à face? Non, ils peuvent également être en ligne. Est-ce plus rapide que le processus judiciaire? Oui. Si on me doit de l'argent, est-ce une question médiable? Bien sûr. En tant que médiatrice, donnez-vous la solution aux parties? Non, je ne leur donne pas la solution. J'aide les parties à qu'elles-mêmes trouvent la solution. Elles-mêmes trouvent la solution. Quel est le plus grand avantage pour vous de la médiation? La prééminence absolue des parties. Cette semaine, sur mon blog, avocatanathaliegonzalez.com, je vous ai laissé des conseils pour gérer un conflit, comme toujours dans la boîte de description. Vous avez mes coordonnées et mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter. Je vous accompagnerai pour trouver la meilleure solution à votre cas. Je vous garantis qu'après m'avoir parlé, vous repartirez avec beaucoup plus de calme. Jusqu'ici la vidéo d'aujourd'hui. Si cela vous a plu, souscrivez-vous pour ne pas rater toutes les informations légales gratuites que je laisse à votre disposition. Je vous souhaite une excellente semaine. On se revoit. Rappelez-vous dans les mardis de Nathalie à 16h en Espagne. À bientôt!